Tu viens d'Ukraine, ça pue. Tu viens d'Ukraine, ça pue. C'est pas vrai. Olena, Olena, tu pues des pieds, Olena, Olena. Oh là là, ça schlingue. Comme vous le savez, nous sommes ici réunis pour parler de cette chère Madison Walker qui est décédée récemment. Visez. Ah, ça dit pas, on se pose quelque part pour manger tranquille. Je te parle d'un petit plan business, tu vois ce que je veux dire. C'est. C'est quoi ça? T'en fais pas, viens, suis-moi. Disons qu'en ce moment même, il y a une personne au niveau de la tombe de Maddy, avec un petit cadeau scotché sur lui. Est-ce que t'arriveras à temps à le sauver? Elle, il n'y a pas arrivé. Mais lui, est-ce que tu pourras? Tic, tac, tic, tac. Monsieur, avancez un petit peu vite avec moi, courez un petit peu, courez un petit peu. Ah, j'ai peur! Ouais, justement, il faut courir un petit peu, qu'on a peur. C'est vrai. Moi, j'en ai... C'est explosé! Monsieur, courez, courez! Oh putain! Mettez-moi couvert! Oh putain! Salut, salut! Juste pour vous dire qu'on a reset la whitelist du serveur. Ça veut dire qu'en gros, toutes les personnes qui avaient été refusées définitivement la whitelist peuvent retenter leur chance. Et même les nouvelles personnes qui veulent essayer un petit peu ce serveur. N'hésitez pas, le lien du Discord est en description. C'est mardi! À tout de suite! Ouais, allô? Ouais, Mimit, ça va ou quoi? Ça va et toi? Et arrête. Eh, hey, je vais te le dire que. Il faut que je te le dise en quelle langue? Et toi que t'es le seul que j'appelle comme ça, donc c'est un gage de qualité, t'as capté, c'est Joey. Ça j'ai capté que c'était Joey, t'es le seul à m'appeler Mimi en même temps. Je suis en train de vendre ta cam là, putain c'est de la bombe hein. C'est de la... Eh, je te l'avais dit, WW mon pote, c'est de la frappe. Ah, mais je voulais te dire. Ouais, dis-moi. Ah, t'as réfléchi pour le petit truc que tu m'avais dit là, informaticien, braquage, tout ça. Ouais. Alors? Dis-moi quand tu veux faire ça. Ah, demain je suis chaud. Demain? Ouais. Ok, je prévois un plan. Ah ouais? Ouais, je prévois un plan. Tu peux m'en dire bon plus ou pas? Non. Non, je te le dirai demain avec l'informaticien, c'est bon? Ah, tu fais le mystérieux, j'aime bien. Eh, je suis pas une poucave. Quoi? Jamais dit ça, moi. Ouais, bah, essaye pas de gratter des informations. Essaye pas de gratter des informations. C'est l'œuf qui demande de poucave le plan. C'est la poule qui a pondu l'œuf qui fait côte-côte. Tu fais côte-côte. Moi, je fais pas côte-côte, moi. Ah, fais pas côte-côte, hein. Vas-y, je suis en train de vendre à Vinewood. Big up. Ok, big up, vas-y. Bon courage. Oh my god. Ta gueule. Prends ma weed, ferme ta bouche. Voilà, gracias, comme vous dites les japonais. Arrête de regarder, y'a que moi que tu me regardes, vas-y fais du lèche-vitrine. Parce qu'il paraît je suis une vitrine. Allez, lèche-moi. Hop là, attention, c'est Joey. Ah, salope. Ah, ça va, j'ai pas mal, j'ai du plaisir. Alhamdoulilah, les flics sont occupés. En même temps, y'a un fou qui pose des bombes. Normal qu'ils soient occupés. Démarche de bâtard. Tiens, en moi. Ah, c'est les flics là-haut. Il me reste 12. Oh mec, j'adore le risque. Oh merde, ils sont juste là. Oh, je vends juste devant. Oh merde. Quoi? Oh mec, j'adore le risque. À mon avis, ils sont sur d'autres bails. T'as capté? Il m'a grillé. M'a grillé. Bonsoir monsieur. Ouais. Oh putain, j'ai entendu tirer. Oh, vous vous foutez de notre gueule là. Ah, j'ai entendu tirer, j'ai eu peur. Arrête de mentir. Quoi? J'ai fait quoi? Tu montes devant moi là. Comment ça? Montes devant ma gueule. Ah, jamais de la vie. Coupe les codes. J'ai trop de respect pour vous. Eh, attends, c'est pas l'arabe. Ah, c'est mon bébé. Déjà, c'est pas l'arabe. Ça va ou quoi? C'est officier inspecteur Tahar. Quoi? Tout ça? C'est trop long. Ah, je suis plus cadet, ça y est. Là, j'ai levé l'up. Ah ouais, félicitations alors. Là, j'ai évolué là. Attends, excuse-moi. Merci, ah, monsieur. Ah, viens. C'est Dio? Ouais, c'est Dio. Attends, viens, je vais te dire un truc, viens. Ouais, du coup, la banque, c'est pas ici, c'est derrière, ok? Ouais, mais juste derrière. Mais sous notre gueule là. Maintenant. Vais sous le trio. Maintenant. Mais il me donne de l'argent, tranquille. Attends, monsieur, viens. Dégagez, monsieur. Je veux dire un truc, viens. Reviens là. Je veux dire un truc. Reviens là. Arrête. Ouais. Je vais te mettre les menottes là. Quoi? Toi, tu vas mettre les menottes? Je vais mettre dans les bidons. Ah ouais, t'es sûr? Ah ouais, t'es sûr? Lâchez-moi. Ah ouais. Ah ouais, je crois pas. Quoi? Ah ouais. Vous passez les pinces, monsieur, histoire que vous arrêtiez de faire des bêtises. C'est con, j'ai pas la clé. Avec les dents. Je vais chercher sur monsieur les clés. Libère-toi.
Attends, enlève. T'inquiète. Ah, je l'enlève. Là, j'ai les clés, Aidez-moi, s'il vous plaît. Ouais, j'ai les clés, t'inquiète. Attends, il va te libérer, normalement. Ah, t'inquiète, tourne-toi. Tourne-toi. Ah, non. Vas-y, je me tourne. Ah, moi, je suis pas un bâtard. Hein. C'est mon arabe préféré. Incroyable, le sac à dos. Ah, oh, monsieur, là, vous rendez la drogue devant moi, là, vous foutez de ma gueule. Oh, non, c'est pas la drogue. C'est des flyers. En gros, ce qui paraît, il y a une grosse soirée sur une île. Et ils m'ont payé. Ah, ouais, c'est quoi l'île? Ouais, apparemment, c'est Caillou. Caillou? Ouais, vendredi soir. Ça, c'est un dessin animé, ça, c'est pas une île. Ah, je sais pas. Moi, on m'a dit, tu vends, j'ai vendu, c'est tout. Ah, on peut avoir des flyers, nous aussi, ou pas, s'il vous plaît? Ouais, avec plaisir. Tiens, attends. Premier flyer. Pour te mettre bien. Introduction. Toi ici. Hop là. Voilà. Oh, nickel. Bon, attendez, ça coûte combien le flyer? Ça coûte combien? Ah, ça dépend en vrai. Moi, on m'a dit c'est $500 pour aller. Quoi? À Caillou. Voilà, ouais. j'ai 100 dollars. Ouais. Tenez, 100 dollars. Oh, tu gères, ça fait plaisir. Toi, en tout cas, merci pour les flyers là, je vais. Oh, je vous en prie. Eh, t'appelles comment, tu m'as dit? Quoi? T'appelles comment? Tahar. Inspecteur Tahar. Ok. Eh, tu sais quoi, range ton taser, on va jouer un petit jeu. Dis, c'est quoi le jeu? Eh, comptez jusqu'à 5, je vais courir, je vais me cacher, vous devez me trouver, ok? Vas-y. Quoi? Ah, oh non, oui, j'en veux encore un flyer. Ok. Mais j'en ai déjà un, je vais pas. Celui-là, il est mieux, il est mieux. Ah oui? Bon, vas-y, côté jusqu'à 5, allez. Ah ouais, ah, vous êtes des bons. Caché, là. Ah, vous êtes des bons. Ben vous oui, êtes des bons, allez. Mais j'étais pas caché là. Ouais, allô. Ouais, Hamid. Ouais, ça va quoi, Joe? Bon, j'ai tout vendu, 5500. Ok. Tu veux qu'on se capte maintenant? Bah, je sais pas, tu veux que je te ramène combien? C'est quoi? Ramène-moi 3000. Quoi? Bah. Oh ouais, t'es gourmand, hein? Attends. On avait dit combien? 65, 35. Ouais, 65 pour moi ou toi? Pour moi? Quoi? Oh ouais! Hey, j'avais les flics et tout! Attends, ok. Tu sais quoi? Divise par deux. Vas-y, 2500 alors. Vas-y, 2500, vas-y, tu gardes. Tu me donnes. T'es où là? C'est bon? Là, je suis au casino là. Ah ouais, j'arrive. Vas-y. Ah ouais? T'es chaud? Ça va ou quoi? Ouais, et toi? Ouais, tu veux jouer un peu? Oh, je te passe ton argent déjà, tiens. Ok. Ah, j'ai tout vendu, c'est parti comme des petits pains, c'est un truc de fou, cette Ranesita. Je t'avais dit, hein. Ah ouais, tu joues c'est à quoi là? La roulette. Ouais, t'es tout seul, Junior, il est pas là. Non, Junior, il est pas là, tiens. Ouais, tu me donnes quoi? Eh tiens, installe-toi. Ouais, attends, je vais jouer au poker, viens, on va jouer au poker. Je suis nul au poker, moi. Ah, tu sais quoi, je vais jouer à la roue, moi, je jouerai plus tard au reste. Vas-y. Vas-y, tu gères. Oh, Mimid! Arrête de m'appeler Mimid! Ah, du coup, c'est quoi le plan pour demain? Je t'en parlerai plus tard. On parle bien de braquer une banque, hein? On parle clairement de braquer une banque. Ok, tu veux braquer laquelle? Faut préparer tout ça, tu sais. Moi, j'ai déjà prévu. C'est très simple. Ça va être un plan. On va prendre un quad, on va partir sans parachute, véhicule qui nous attend. Ah non, c'est mort, j'ai trop peur du vide. Comment ça, t'as peur du vide? Ah, j'ai trop peur, mémé du vide. C'est chaud. T'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme, Joey? Ouais, mais moi, je suis un mec terre à terre, tu vois, t'as capté ou pas? Ok, un mec terre à terre. Ok. Ah ouais, il m'a sorti le parachute, t'es quoi? T'es les forces spéciales ou quoi, toi? Non, disons que je suis un mec qui peut avoir des parachutes. Ah ouais, mais moi, j'en ai jamais fait, moi, parachute, faut. Ok. T'as capté, okay. Faut une formation. Okay. Fais quoi, toi, ce soir? Ce soir, j'ai travaillé au Burger Shot. J'ai assisté. Tu connais Madi? Ça me dit quelque chose, ouais. Madi Ben Barek, tu connais ou pas? Ah oui! Ouais, la pauvre, ouais, la pauvre. J'ai appris qu'elle est décédée. Et aujourd'hui, c'était son enterrement. Oh, ouais. Ben Barek, il était perdu, Misken. Il m'a fait mal au cœur. Comment ça? Bah, il était perdu, il était déboussolé, désemparé, il était perturbé. Ouais, c'est comme moi. Quand je te vois plus, je perds la tête, je perds la boule. On va dire ça comme ça, mais arrête de penser à moi, je t'ai déjà dit. T'as trop de charisme, c'est pas de ma faute, bébé. Écoute-moi bien. Bon, viens, on va régler ouais, ça. Ouais, dis-moi. Suite. Ah ouais, dans les toilettes, ouais. Vas-y, c'est parti. Vas-y. C'est bon. Ah ouais. J'allais te dire que j'ai pas trouvé. Moi aussi, j'allais te dire des trucs de fou. Vas-y. C'est qui cette bitch? Je sais pas c'est qui, mais je crois que c'est un cadeau pour toi. Tiens, en fait, j'ai un cadeau pour toi. Ah ouais? Discret. Quoi? C'est quoi, de la farine? Faire des gâteaux, sale bâtard? T'es un ouf! Et ça marche, tu gères les mains, merci. Ouais, t'inquiète, promis. Ah, les promesses. Vas-y, ça fait des promesses, hein. Ça va ou quoi? Bonsoir. Mais vous? T'as dit quoi? Écoutez, mauvaise soirée, hein. Ah ouais? Explique, c'est passé quoi? C'est passé.
Il y a eu un attentat, vous suivez pas les annonces du gouvernement? Quoi? Un attentat? Ah, les Arabes. Mémé, c'est encore tes cousins, c'est sûr. Reste mignon, toi. Dis pas des dingues comme ça, toi. Quoi? Tu peux porter plainte ou pas? Ouais, tu peux. Ah, oui, vous pouvez, oui. Après, moi aussi, je vais te porter. Tu es pas une poucave. Jamais je porterai plainte. On va régler ça comme des bonhommes. Attends-moi dans les toilettes, toi. Ah ouais, avec plaisir, ouais. Attends, c'est quoi cette histoire d'attentat, madame? Et toi, t'es qui? Je m'appelle Amity. Ah, tu me dis quelque chose? La procureure. T'as déjà croisé, je crois. On s'est croisé le jour pendant que vous tapiez dessus avec les autres gangsters. Ouais, quand le capitaine, il était un petit peu en danger, j'ai pris sa place et je lui ai niqué sa mère à l'autre, c'est ça? Ouais, je m'en rappelle, ouais. Ça doit être ça, ouais. Pourquoi, du coup, attentat, il s'est passé quoi? Exactement. Quelqu'un qui a fait exploser une personne devant des agents de police lors d'une cérémonie publique. Voilà, si vous voulez tout savoir. Wow. Attends, les gens, c'est des fous! Y'a des suspects ou pas? Pas encore! Ouais. Hey, c'est pas moi, j'étais pas là, je travaille au Burger Shot, madame! Je vais te dire un truc, Mimid. Je dis un jour, tu seras ma petite voilée, si t'as capté. Tu seras ma petite halal. Comme ils disent. Ma petite halal? Ouais. Tu veux dire un truc comme ça? Ah ouais, moi je suis plus extrémiste, t'as capté? Ouais. Mais pour m'avoir, il faudra se lever tôt, tu vois. T'inquiète et tu m'auras pas, c'est mort. Je suis insomniaque, je dors pas. Tous les jours on est là, on charbonne. Surveille mes arrières, je crois pas. En tout cas, Mimid, merci pour la coke de tout à l'heure et la weed. Pas de problème, Joey, merci d'avoir vendu la coke et la weed. T'es vraiment un bon chien. Je donne du travail, c'est normal, c'est important. Ouais, ça se joue bien. Ça joue quoi? Installe-toi, Joey. Viens jouer avec nous. Ça joue comment cette merde? Ok, j'ai tout mis, je m'en bats les couilles. 2000 sur le 21 rouge. 2000 sur le 21 rouge. Voilà, putain, 32 rouges. Ça bégaye, madame la procureure. Bon, ça me casse les couilles. Vas-y, Mimid, on se capte, hein. Vas-y, t'as mon numéro, Joey. Ouais, t'inquiète. Arrête de m'appeler Mimid. Il y a du monde, c'est stylé. Quoi? Qui n'est de quoi? Ouais. Il y a pas de ça. Ok, vas-y. Ouais. C'est Joey. Joey. Ok, on fait un truc. Olena contre Joey. Ouais, Olena contre Joey. Vas-y, je suis chaud. On va faire quoi? Rap contre Tender. Chaud. Vas-y, on joue dans le cercle. Vas-y, dans le cercle. Allez, tous en cercle, y'a parié contre Tender. Vas-y. Du coup, commence. Petite fille. Ned, vas-y, c'est les faire. Elle t'appelle comment? Je m'appelle Olena. Olena, tu puis des pieds. Mon âge de ma patte Joey. Ouais, je suis trop chaud. Ouais. Je dors pas, je suis insomniaque, je suis insomniaque. T'as bien en rose, oh bah papa, mon papa, je l'ai pas connu, ouais. À toi, Olena, tu peux des pieds, c'est un truc de fou. Ouais. T'as vraiment aucune présence, rien quand tu penses du coup te renvoyer dans. Oui. Ok. Tu crains, tu viens d'Ukraine, ça pue. C'est pas vrai. Olena, tu pues des pieds, Olena, Olena. Oh là là, ça schlingue. T'as l'air à toi. Je bien maintenant, vas-y. Regarde-moi bien. Ouais, je te regarde. T'as pas de posture, je suis pas majeur, je n'ai pas de faire classe, j'ai pas de mineur. Ouais, j'aime bien la violence, j'aime bien. Je crois que c'est bien. Check. Laisse pas faire, Joey. Ah, la gérer, franchement, big up. Ouais. Donc je disais, tu pues des pieds, ukrainienne. Mais putain, t'as pas de sang, ils sont partis en vacances ou quoi? Mais non, c'est comme ton cerveau. Quoi? Comment ça, t'es mineur? Attends, dis pas ça, y'a la police, ouais. Oh, KPIA, c'est bien, là, j'ai bien fini. On a plus dit chez vous, il y a les deux participants. Elle sort avec le flic, là. C'est parti, mesdames, messieurs. C'est parti, c'est sorti, il y aura plus de choses. C'est la monture le meilleur, d'accord. Bon, nous, on va travailler. Le bar, il est ouvert. Bien sûr, oui, le bar, il est ouvert. Moyen de boire un truc ou pas? Bien, moyen. Vas-y, bon courage, les cops. En pays, la moitié. Oh, Olema, ça va ou quoi? Tu m'appelles Olena. Ouais, t'as capté, c'est pareil. Ah, Olena, dis-moi. J'ai croisé la prostituée procureure au casino. Elle m'a parlé d'attentat. C'est quoi cette histoire là? C'est du fake ou quoi?
Mais c'est vrai, il y a quoi, vraiment eu un attentat, il y a vraiment un bon qui a explosé avec quoi un monsieur. Mais oh, on n'a pas été invité, alors on... Enfin, invité, on n'a pas été appelé, donc on ne peut pas savoir exactement ce qu'il y a eu. Mais de ce que je veux savoir, c'est une personne qui s'est fait exploser sur une tombe de quelqu'un qui vient d'être enterré. Oh, genre il voulait réveiller les morts, c'est ça la blague? Là, je pense. Ah, ah, bonne soirée, hein. Merci pour tout. Hein. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Allô? Bonjour. Ouais, ça va ou quoi? Bien vous, monsieur. Ouais, tranquille. Ah, dis-moi, là, actuellement, je suis dans le nord, t'as capté, mais bon, je compte m'installer dans le sud. T'sais, je voulais me trouver une petite chambre d'hôtel ou bien un petit appartement pépère, t'as capté? Ouais, ouais, bien sûr, ça peut s'arranger, monsieur. Vous avez déjà une idée de l'endroit où vous voudriez vous situer ou pas du tout? Vers la plage. Vers la plage. Ouais. Ok, bah alors, soit vous me retrouvez l'agence immobilière, on y va ensemble, soit vous y allez tout seul et dès que vous trouvez quelque chose, vous m'envoyez une position et je vous rejoins, comme vous préférez. Bah, ouais, vas-y, deuxième option, on fait ça. Très bien, bah écoutez, j'attends votre position. Alors. C'est quoi ton petit nom? C'est William. Ok, William, moi c'est Joey. Ça marche, à tout à l'heure alors. Au revoir. Vas-y. Oh, tu m'as fait peur, je pense que t'allais me braquer. Ah non, je vous braque pas, monsieur. C'est William. Ouais, je cherche un appartement, c'est pour ça, je faisais le tour. Ah, c'est vous? Quoi? Comment ça, c'est moi? Vous cherchez un appartement vers la plage, c'est vous? Ouais, c'est moi, c'est William, c'est ça! Bah oui, c'est moi, mais vous étiez pas dans le nord? Ah, non, mais nord du sud, quoi, t'as capté? Ah, d'accord, nord du sud, bah j'espère que vous avez trouvé votre bonheur, alors. Bah là, je suis en train de chercher, mais je me suis dit, ouais, j'ai la dalle. Et j'ai envie de pisser, donc je vais utiliser un petit peu les toilettes, c'est pour ça. Compréhensible. Ça va, toi? Enfin, vous? Ça va bien, et vous? Tiens, cadeau, petit menu, calme. Tiens, hop là. C'est fort, ma merci beaucoup. Ah, je vous en prie, William. William, dis-moi, t'es marié? Non. Ah, ça m'intéresse. Ah, je ne suis pas de ce bord-là, monsieur, c'est gentil. Ah, vous me dites, mais bord, quel bord? De quoi tu me parles? Précisons, en quoi ça vous intéresse le fait que je sois pas marié? Ah, la vérité? Ah, j'ai envie de te baiser. D'accord, mais malheureusement, je vous l'ai dit, c'est pas mon bord. Après, je connais des gens qui sont de ce bord-là. Ouais, mais je sais pas, il y a un truc qui se passe, je pense, dans tes yeux, il y a un peu... Il y a le fuego. Moi, je sens qu'il y a un truc qui se passe entre votre coupe de cheveux et la mienne, à mon avis. Va voir. Quoi? Oui. Ah ouais, c'est chaud. Hey, j'ai encore jamais qu'un chauve, en vrai. 51 ans, j'ai plus mes cheveux, mais écoutez, j'ai déjà donné. Une milf. Ah, c'est encore mieux. Enfin, un milf. Mais du coup, vous voulez être mon sugar baby, du coup? Ah, c'est quoi la vérité? J'ai pas trop de thunes. Hein. T'as de l'argent, toi? Un petit peu, ouais. Ah ouais. Genre, on fait comme dans Prison Break. Je te mets la main dans la poche ou quoi? J'y penserai à l'occasion, mais oui, Joey Jefferson, vous avez rencontré avec ma famille à côté du 24-7, ça me dit quelque chose, oui. Attends, oui. Je sais plus en vrai, je crois tellement de monde. Mais c'est vrai que t'es habillé classe, ça me dit quelque chose comme ça, c'est pas vous les voitures là? Si, c'est nous les voitures, effectivement, oui. Ah, à la vérité, je suis désolé, William, je suis désolé. Désolé. Je savais pas que t'avais de l'argent. Ah, je parlais à un riche pour ça, je savais pas. Moi, je respecte les gens qui ont réussi, t'as capté? Ah, écoutez, on fait ce qu'on peut. Vous faites quoi dans la vie, vous, monsieur? Moi, la vérité. Ah, Joe, il fait rien. Ah, il fait pas grand chose, hein. Mais bon, on survit, t'as capté? Ah, tu sais quoi, je vais faire un petit pipi, j'arrive, ok? Ok, allez-y. Vas-y. Je reste ici. Ah, je pense à toi, bébé. Oh, c'est ta caisse! Wow! Une merveille d'Angleterre. Oh la vache, c'est quoi, c'est une Aston Martin? Plus ou moins la version moderne. J'économise fortement pour avoir la vintage. Wow, ça coûte combien ça? Ça coûte 82 000 $. Quoi? Oh ouais, t'es un bon hein. Ça fait longtemps que je suis en ville. Hein. Lâche-moi la grappe, arrête de penser à moi. Oh. J'arrive pas à me mettre. Oh. On se retrouve, Joey. Hein. Ouais, ça va ou quoi, William? Ça va bien. Ok. C'est quoi, je suis chaud, je prends celui-là du coup. Celui-là? Très bien. Ouais. Mets-moi 2 semaines, s'il te plaît. Alors, je peux vous mettre qu'une semaine ici. Si vous voulez 2 semaines, il faudra passer à l'agence immobilière, du coup. Ok, vas-y, on fait comme ça, alors. Est-ce que je peux vous prendre une pièce d'identité ainsi qu'un numéro de téléphone, s'il vous plaît, monsieur? Ouais, avec plaisir. Et voilà, monsieur, du coup, vous voulez prendre une semaine de plus ou pas? Ouais, s'il te plaît, ouais. Et bah, allons à l'agence immobilière, alors. Ah, je peux monter avec toi, William, ça te dérange pas? Aucun problème. Ouais, tu gères. Vous voulez récupérer votre moto au Burger Shot, du coup? Ouais, s'il te plaît. Après, je vais appeler la proc. Je crois que ce soir, je vais la ken. Ah, la procureure, Madame Amber, c'est ça? Ouah, tu la connais? C'est trop bien. Oh, c'est une chaudasse ou quoi? Elle est plutôt fraîche, hein. Quoi? Ouais, très froide. Ouais, elle est glaciale. Ah, un peu, ouais. Ah, je vais la réchauffer. Oh, tu gères, William. Je te suis, hein. A tout de suite, tu seras bien. Ouah, ça va, William? Ouais, tu penses à moi, bébé, c'est ça? Probablement, ouais.
pour ça, comment vous leviez la roue, ça m'a, ouais. Ça m'a fait des choses. C'est pourquoi la texture là, elle pète sa mère au niveau des pneus, c'est pour ça. Ouais, sûrement. Oh oh, encore les Arabes. Pourquoi encore les Arabes, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Ce qui paraît, il y a eu un attentat. Ah bon? Ouais, au niveau d'un cimetière, j'ai pas capté. Ah vraiment? C'est très simple, je crois qu'il y a un enterrement en plus ce soir. Ah ouais, sniff sniff. Ah mais c'est pour ça qu'il y a un code orange qui a été mis en vie, je comprends. Quoi? Code orange? Je crois que c'est un code orange, il y a un de mes neveux qui m'a dit ça. Ah ouais? C'est sûrement lié à mon avis. À mon avis, c'est à cause des beurrettes, il y en a trop en ville. Un plaisir, monsieur Jefferson, je vous souhaite une bonne soirée et bon merci courage. Également, monsieur William. Oui, allô? Ouais, c'est Joey, t'as capté, ça va ou quoi? Oui, ça va et vous? Comment vous avez eu mon numéro? Ah, t'inquiète, j'ai le bras long. D'accord. Ouais, ça fait quoi là? On est prévu d'aller faire du saut en parachute. Quoi? Ouais. Avec qui? Avec Milid, comme vous aimez bien l'appeler. Oh non, c'est mort, moi j'ai peur du vide. Oh non, c'est mort, c'est mort. J'ai dit du coup avec monsieur Milid de Raven. Ah, mais Milid il me trompe hein. Ah, apparemment Milid vous trompez, monsieur Joey. En plus, il est marié ce chien, je sais pas ce qu'il fait. dis-lui de donner le biberon à son... Arrête, attends, il y a son petit qui me parle là. Ouais, papa il va rentrer pour donner le biberon. dis à Mimit qu'il doit rentrer là, il y a son gosse qui a faim. Apparemment Mimit tu dois rentrer parce que ton fils a faim. Ah, vous êtes où là? En centre-ville. Ouais, mais oh, moi aussi je suis au centre-ville. Il me dit de vous dire que vous équipez mieux de votre famille que de sa famille, ou un truc comme ça, j'ai pas bien compris. Ouais, il est méchant, j'ai pas de famille, c'est pour ça qu'il dit ça. Ça me blesse. C'est méchant ça. Ça me blesse. Moi, je suis à l'agence immobilière, là. C'est tout. D'accord. Dis-lui de venir à l'agence immobilière. D'accord. Ouais, tu gères, bébé, à tout de suite. Non, non, Amity, s'il vous plaît. Quoi? Amit, tu t'appelles Amit, toi aussi? Amity. Quoi? Amidity? Non, il y a Amity. Amid ici ou quoi? Quoi? Amity? Bon, je lui transmettrai un message, on verra ce qu'on fait. Ouais, ça marche, à tout de suite, vas-y. Oui, allô? Ouais, Mimit, ça va ou quoi? Joey, arrête de m'appeler Mimit! J'aime bien quand tu t'énerves comme ça. Je suis à l'agence immobilière, tu viens ou quoi? Ouais, j'arrive. Ah, j'aime bien, vas-y. J'arrive. Vas-y, attends-moi. Oui, allô? Ouais, j'ai failli attendre. Comment ça, vous avez failli attendre? Oh, vous êtes où là? sur le parking du centre-ville. Quoi? après, monsieur Hamid dit qu'il y a deux places dans sa voiture, donc ça va être compliqué de vous récupérer. Ouais, il ira dans le coffre où je te soulève, t'inquiète, on peut faire. Quoi? Ouais, de toute façon, c'était mon plan, hein, tu sais bien. Ok, bon, je verrai quoi, tiens. Bonne soirée. Amity. Je t'ai vu, tu m'as vu. Et le fuego qui est passé entre nous. T'inquiète. Le quoi? Le fuego. Le fuego, Ouais, le feu, t'as capté, je suis briqué. Ah, le feu. Et l'étincelle, boum. Comment? Attendez, vous avez dit quoi? Ouais. Ramène-toi, t'inquiète. D'accord. Vas-y. Le quoi? Le frigo. Ah ouais, beau petit cul, hein. T'es grave mimieux. T'es grave mignon, t'es grave frère. Ça va ou quoi? Bonsoir. Va bien. C'est bien et vous? Ouah, t'es grave mimieux, hein. Tu le sais, ça. Tu sais que t'es beau, t'en joues. Je sais pas si j'en joue, mais... Si t'en joues, t'as la confiance, j'aime bien les mecs qui sont confiants comme toi. Vous travaillez à l'agence immobilière ou pas du tout? Ouah, pas du tout, c'est William, il vient de partir là, tu peux l'appeler si tu veux. Ouais, bah j'ai déjà appelé. Ouais. Laisse-moi les souvenirs d'ici 10 minutes, du coup. Ah, bah il va pas tarder alors. T'appelles comment toi? Darren. Quoi? Oui. Darren? Ouais, comme mon ex. C'est chaud. Comment ça, comme votre ex? Ouais, t'as quel âge, Darren? J'ai 27 ans. Quoi? Comme mon ex aussi. Ah, c'est grave. Ça devient compliqué là. Il y a trop de points de condoléances entre nous là. Tu fais quoi dans la vie, beau gosse? Je travaille à l'hôpital. Quoi? Comme mon ex? C'est grave, c'est trop grave. Ah, je suis souple. Vous allez laisser amoureux de ce... Attends, bouge pas, j'arrive, je suis en train de glisser. Oh, c'est moi, Joel l'exorciste. Joe, arrête tes conneries là. Oh. Ouais, j'arrive, je slide. Ça va aller ou pas? Ouais, tranquille, on est là. Hop là. Ça va ou quoi, bébé? Je vous ai déjà demandé d'arrêter de m'appeler bébé, s'il vous plaît, faites. Ok, oui histoire. Chef, oui chef. Oh, on fait quoi? C'est quoi les bails? Bah ça va, c'est pas deux places. Tranquille alors. Monte. Attends, Amity, je peux monter à côté de Bibi, s'il te plaît ou pas? Non, s'il vous plaît, non. Amity, regarde-moi bien. Si, c'est bon. Voilà, c'est gentil, merci. Vous êtes très proches tous les deux, voilà. Ça a l'air fusionnel en fait. Bouge de là, Mimi. Voilà, c'est parfait. T'inquiète pas, c'est moi qui pilote. Milieu pénal, on est passé à une agression, Joey. Ça va ou quoi? Vol de véhicule. Passe devant, t'inquiète. Joey.
Ouais, c'est moi, alors, c'est Joey. Et il rentre sa voiture, s'il vous plaît. Ouais, c'est mon pote, t'inquiète. On est ensemble. Bah, et alors, vous venez quand même de lui mettre une veine dans les veines, s'il vous plaît. Ouais, non, je l'ai éjecté de la caisse, t'as capté, c'est tout. C'est ce que je dis. Ouais, ouais. Vas-y, il a qu'à porter plainte, on verra. Les meilleurs avocats. Il va encore me dire, je suis une coquine. Qui ça? Moi? Non, lui. Attends, tu sais quoi? Eh, on va s'envoyer en l'air, toi et moi! Accroche-toi, bébé! Wow! J'adore le risque! Oh. T'as capté ou pas? Toujours en équilibre! Je suis un mec super stable, t'as capté? Vous êtes complètement fou! Ouais, c'est vrai! Mais comment on descend là? Regarde, fais comme ça! Hop là! Stable! Eh ouais! Mais ça va pas bien la tête! Eh, vous êtes enchanté! Fou. Moi c'est Joey! Ça va ou quoi? Oui, vous devriez passer vos jours en prison. Pourquoi? Pour quelle raison? Dangerosité publique. Quoi? Moi? Hop là, je te rattrape en vol. Allez, viens. Dis-moi. Du coup, t'appelles comment déjà? Amity, c'est ça? Ah, tu sens grave bon en vrai, hein? Je peux pas me poser, s'il vous plaît. Attends, je t'avais dit que j'allais te soulever, oui ou non? Mais oh, hé oh, j'ai donné mon consentement pour ça, pourquoi? Quoi? T'es sûr? Joey. Tiens, je te dépose là, tranquille, n'aie pas peur. Voilà. Tu veux porter plainte? Non, j'ai pas besoin de porter plainte, je suis procureur. Ah ouais, ça veut dire quoi? Attends, y'a Mimid. Ouais, Mimid! Ça veut dire que comme on est en code orange, je pourrais vous faire arrêter sur le champ. Ah, je t'envoie une pause, ok? Mais comment ça, tu suis à pied là? Comment ça, la moto, y'a pas les clés! Comment ça, t'es à pied? Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je suis à l'agence IMO, viens me chercher, je vais te goumer. Vas-y, j'arrive tout de suite. Vas-y. Ah, Amity, viens, on fait une petite photo. Toi et moi, on lui montre un petit peu sa voiture, dans quel état elle est. Il va vite comprendre. Vous faites la photo sans moi? Moi, je suis pas sûr, j'ai pas une image à tenir. Mais non, mais c'est juste pour Mimi, t'inquiète. Viens, pose, viens. Hop là. J'ai envie de voir mon visage publié sur un réseau social avec une voiture dans cet état, mais... Mais non, mais non. Quoi? Vous vous rendez pas compte? Quoi? Pourquoi? J'aurais pu mourir, imaginez, je sais pas, la voiture aurait fini dans l'eau. Attends, je pense... Ouais, je pense que t'as tes règles à mon avis, c'est pour ça que t'es surexcité. Ouais, ça sent un peu. Ça n'a rien à voir. Eh, c'est. Il m'a dit ma voiture. Ah ouais. Et les bas. Eh, t'as une voiture ou pas? J'ai une voiture, oui. Vas-y, on va la chercher alors. T'attends quoi? Le problème, c'est que ma voiture, elle est dans un quartier qui est actuellement en code rouge. J'ai vu que vous êtes en danger public, je suis pas sûr que c'est une bonne idée pour code vous. Code rouge, hein. Les Anglais débarquent. C'est bien ce que je disais. Quel quartier? Débarquent. Ouais, les Anglais débarquent. Pacific Bluff. Quoi? T'es une menteuse en plus? Ça me dégoûte. Un code rouge sur Pacific Bluff. C'est où ça? Pas les annonces gouvernementales. C'est où? C'est où? Là où il y a le cimetière. Quoi? Le piano. Ouais. Je sais pas. Ah, chercher une voiture, j'arrive, bouge pas. Oh, elle est rouge, elle est incroyable. Allez, viens, monte. Il a... T'inquiète. Elle est où, cette voiture? Bien sûr, elle est à moi. Non, je cautionne pas le vol de véhicule, monsieur. Mais non. Je t'assure, c'est à moi. J'habite à côté. Mais t'es où? Bah, venez. Je vous montre où j'habite. Parle pas, monsieur Joey, je vais appeler la police. Non, pas, regarde. Elle est fatiguée. Mais juste là, moi. Tranquille, on est là. Quoi, t'aimes pas les gros bolides, c'est ça? Accroche-toi, Amity. Putain. Encore, accroche-toi un petit peu. Doucement, mais ralentissez. Hop là. Ça fait que commencer. Hop là. Et voilà. Il m'a dit Pacific Bluff, c'est ça? Ouais. C'est passé quoi dans le cimetière? Mais non, mais elle est pas là-bas. Pourquoi? Bah, tu m'as dit... Je te montre où j'habite, moi j'habite juste là. Ah non, mais je croyais que vous vouliez aller au Pacific Bluff. Non. Ah non, c'est code rouge. Ouais, j'habite juste là. Inviter Amit si tu veux. T'es pas peur, hein. T'es une meuf qui aime bien le risque ou pas? Je me porte très bien quand je suis dans mon bureau en train de travailler très simplement. C'est faux, tu te fais chier, ça se voit. Non, c'est absolument pas. Ta vie c'est de la merde sans moi. Non, ma vie se portait très bien justement juste avant que je ne vois. T'es menteuse. Bon, j'ai des bananes, des pommes. Des oranges. Ouais, bienvenue chez moi. Pour qu'ils nous rejoignent. Ouais. Venez, parce que bon, me retrouver avec un danger public, ça me conforte pas alors. Quoi? Comment? Je connaissais pas Monsieur Joey, voilà. Je vous rappelle. Vous savez quoi? On va aller chercher ma voiture et on va aller chercher Monsieur Raven, ok? Attends, ta voiture elle est où? Elle est à Pacific Bluff, mais. Quoi? Ça va aller, je suis procureur, allez, venez. Vas-y, conduis alors, je te suis. Ah, t'as un bon petit boule en vrai, hein. Et où? Quoi? Hey, je touche avec les yeux, ça passe, hein, c'est pas une agression. C'est un compliment, Mitty. Oui. Ah, tu sens bon, hein. Merci, vous avez une. C'est un parfum. Quoi comme parfum? C'est du Lolita.
Quoi? Mais elle est pas morte, elle? Hein? La chanteuse? Non, c'est pas la chanteuse, c'est le parfum, le hit, hein. Oh ouais, t'aimes bien la caisse ou pas? Ça se voit, tu kiffes, hein? Non, franchement, c'est pas le type de véhicule que j'apprécie. Ah ouais? Bah je m'en bats les couilles, moi j'aime bien. Bah, t'as raison, moi je trouve que c'est un peu voiture de kéké, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est tout à fait ça, Joey le kéké. C'est moi. Oh, c'est l'autre côté. Elle a éclaté ta caisse, elle pue. Hey, Buffalo S, elle parle. Y a pas plus kéké qu'elle en vrai. Ah, c'est toi la kéké avec ta Buffalo. Elle pue. Il fallait un truc dans mes moyens. Ah ouais, les moyens. Bah, ils sont très moyens. Hein. Vous voulez que je vous dise, je fais mon boulot pour faire régner la justice et non pour l'argent, si vous voulez savoir. Ouais, ouais, mon cul c'est du poulet aussi, ouais. On fait tous les choses pour l'argent. Et il m'a envoyé une pause, monsieur Raven. Ah ouais, allez, c'est parti. Oh merde, mais désolé, ça... désolé. Mais... désolé, viens. Oh. Ah, je suis désolé. Non, mais j'aurais. Je suis désolé, possible. C'est Joe, hein. C'est que je t'aime bien au fond, hein. Non, je me supporte plus, là. Genre, au fond. Au fond, fond. Viens au fond. T'as capté? Non, j'en ai marre. C'est trop. Putain, pas mimide. Il va niquer la soirée. Et alors, de base. C'est un rabat-joie. C'est vous qui avez niqué sa soirée, enfin je veux de manière très objective, hein. Ah ouais, tu penses? Ils ont été partis pour boire un verre et puis vous l'avez appelé. Mais là, c'est trop classique, boire un verre, attends, c'est un fou lui. Une là, femme comme toi, c'est pas un verre. Vous avez fait un truc super dangereux avec non, super fun. La voiture. C'était grave fun, j'ai grave rigolé. Ouais, bon, vous avez encore de la chance que je sois de bonne humeur et que je me mette pas ça sur le compte d'une tentative d'assassinat. Quoi? Donc t'as pas tes règles? Tu m'as menti? Pas mes règles et non, ça n'a rien à voir. T'es sûr? Oui, je suis. Oui. Joey? Ouais. Je pense que dans le fond, vous êtes pas un mauvais gars, mais faudrait peut-être arrêter les conneries. Genre, vraiment. Ah, j'ai pas de casier, j'ai pas de conneries, hein. Bah, vous avez peut-être pas de casier, mais en l'espace de moins d'une heure, vous avez fait plus de conneries que la plupart des gangsters que je vois au fond de la vie. Ouais, moi je suis spécial, c'est tout. Qu'est-ce que je te dise? T'as pas l'habitude, c'est tout, hein. Attends, je l'appelle. Ouais, allô? Ah ouais, t'es parti dormir? Vas-y, non, comme non. Tu veux alors. Non, non. On se capte alors. Ah, il est parti dormir, il m'a dit. Dommage pour lui. Bon, amitié. Elle fait pas confiance. Ouais, on est arrivé. Quoi? Il dort pas, il m'a menti. C'est tout. Ah, c'est un chien. Il avait pas l'air d'être parti dormir. Ouais, c'est un menteur. En vrai, je me suis assoupi. Ah. Vous savez, c'est quoi qui m'a réveillé? Ouais. Le bruit de cette chute de cette moto. Quelle moto? C'est la gauche, là. Quoi? C'est ma moto, ça? Non, non. Ah, je non, reconnais. On fait quoi, du coup? Je sais pas, moi j'ai voulu te soulever, mais bon, y'a Mimite, c'est compliqué. Ah, madame, non, attendez, mais, attendez. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ouais, maman, ah, je suis ouais, très maman. Calme, hein. Ouais, vas-y, je vais rentrer, maman. Désolé, faut que je rentre. Ah, vas-y, Mimite, on se capte, hein. Allez, prenez soin de vous. Ouais, t'inquiète, on est là, on est ensemble. Au revoir. Bon. Déposez où, Joey? Quoi? Comment ça? On va chez toi? Non, non, je vous accompagne, mais je vous emmène pas chez moi. Pourquoi? T'es venu chez moi? Déjà en danger public. Mais t'es venu chez moi? Mais moi, si je veux avoir votre adresse, je peux via un mandat. Vous, si vous voulez avoir mon adresse, mais avec un mandat, vous pourrez pas. Quoi? Tu manges une mandarine chez moi? Je capte pas, c'est quoi le délire? Tu sais quoi? Viens, on boit un verre chez toi. Ah, non, non. Quoi? T'es sûr? Je suis sûr. Pourquoi? Pour bonne raison. Oui, non, bah. On va au casino ou un truc, je ne sais pas. Ah, vas-y, unicorne. Unicorne? Ouais, je connais le videur, t'inquiète. C'est ouvert là-bas? Ouais, je t'ai dit, j'ai le bras long. Je suis jamais allé, tiens. Ah bah tu vois, avec moi tu fais que des nouvelles choses. Ouais, enfin bon, je déteste les boîtes de nuit. Bah, c'est pas une boîte de nuit, c'est une boîte de putes. Pas pareil. Ah bah c'est encore pire, lui. Non, mais pas vraiment des putes, c'est des putes à mi-temps, t'as capté. Comme toi, t'es un proc. Après des Pardon? Fois t'es pas proc. Quoi? Ouais. Si je suis proc tout le temps. Ouais, c'est ça, ouais. T'as pas l'odeur d'une proc. Quoi? Ah, hey, t'as quel âge, Amity? 27. Ok, c'est normalement ça passe. Si le videur il te pose la question, tu dis que t'es une escort girl, c'est bon, ça passe. Non, je veux certainement pas. Si, mais... c'est bon, t'inquiète. Sinon, tu pourras pas rentrer. Bah, je préfère autant ne pas rentrer plutôt que de dire ouais, que. Ouais, boy! Ça va ou quoi? C'est Joey! Je suis venu avec mon escorte, ouais. Y'a moyen d'avoir un petit carré VIP ou quoi? Oh, vas-y, tu gères. Elle! Je t'ai dit, c'est Amber. Ouais, c'est Amber, ouais. Vas-y, tu gères. Waouh. Ouais, t'inquiète, on est là. J'ai les yeux, la lumière. Comment ça? Non, je vous ai dit, je déteste les boîtes de nuit, bordel. Bon, tu veux boire quoi? Moi qui invite. Tequila, tiens, c'est bien. Allez, c'est parti, une petite tequila. Je prépare ça. Bon, ta journée, ça a été comment alors? Raconte-moi un peu. Fatigante, mouvementée, dangereuse. Ouais. Pourquoi? Bah, c'est pas forcément appréciable d'apprendre qu'un terroriste se balade dans notre beau pays. Bel état. On a vu ça en arabe entre nous.
Et arrêtez avec ça, voyons. J'aimerais bien, mais eux, ils arrêtent jamais, t'as capté ou pas? Notre rencontre. N'oublie pas, moi, c'est Joey. Tiens. Oui, j'espère bien que ce sera la dernière fois que je vous verrai. Hein. Quoi? Sérieux, là? Vas-y, bois. Vous vous rendez pas compte de ce que vous m'avez fait faire ce soir, bordel? Ouah, tu t'es amusé, non? C'est le principal. Non, j'ai eu peur. J'ai eu la peur de ma vie. Non, mais vous vous rendez vraiment pas compte. Imaginez, on aurait fini dans l'eau et on serait noyés. Ouah, mais bon. Plus de Joey. Est-ce qu'on s'est noyé? C'est ça la question. Non, mais encore heureux. Moi, j'ai une question à te poser, Amity. Tu préfères vivre 80 piges comme un mouton ou bien 40 comme un lion? C'est ça la question. Il y en a qui ont peur de mourir et d'autres qui ont peur de vivre. T'as capté ou pas? Tu te situes où, toi? J'ai ni peur de vivre, ni peur de mourir. Je dirais que je suis dans le bon équilibre, que j'essaye de faire mon métier et... correctement. C'est l'équilibre de la merde. Ça n'existe pas, l'équilibre. Il y a toujours un qui gagne et un qui perd. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Vous venez d'où, dites-moi? Chicago. Ah, Chicago Bulls, t'as capté? Michael Jordan. You know? Yes. Ouais. C'est quoi là-bas, Chicago? Écoute, j'essaie de vivre comme je pouvais. Hein. J'ai, on va dire, une enfance assez spéciale. Je préfère pas développé. En parler. Non, je peux pas. Si, on a tout le temps développé. Un mec mystérieux, t'as capté. Pas tout te dire. Après, j'aurais plus d'intérêt pour toi, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas l'intention de vous revoir, enfin, j'espère. Donc autant me raconter tout maintenant. Ah, moi je comptais te revoir. Quand vous auriez braqué une banque ou un truc comme ça? Quoi? Mais jamais de la vie je fais ça, moi. Je t'ai dit, j'ai pas de casier. Tu vois, les préjugés, tu me prends pour qui, Amity? Pour un mec qui a pris un chemin super dangereux en véhicule et qui a... Ouais, donc ça fait de moi un braqueur de banque, c'est ça? Non, j'ai pas nécessairement dit que ça faisait de vous un braquage de banque, c'était une vanne, oh là là. Ça me fait de la peine, je te jure. Le premier degré, hein, toujours. Fais-moi un bisou, ça me fait de la peine. Non. T'as pas envie de me voir pleurer, je crois. Fais-moi un bisou. Mais t'es un bonhomme ou pas, là? Ouais, mais tu sais, un bonhomme, ça pleure. Non, les bonhommes, ça pleure pas. Ça, c'est ce qu'on t'a dit. Mais on t'a menti. Moi, un bisou, on oublie. C'est un bonhomme, t'as pas besoin d'un bisou, là. Ah, ok, bah au moins, bois. Bois ma santé, au moins. Toi, okay, plaisir. Ma santé. Ah ouais. Tiens. Enchaîne. T'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme? Enchaîne. J'ai même besoin de ma tête et de mon esprit. Oh, enchaîne, Amity, enchaîne. Ça, enchaîne. Tu vois, enchaîne. Bois les 15. Ça se voit, t'as soif. 15, c'est énorme. Mais non, t'inquiète. Franchement, cette tequila était incroyable, mais je pense que ça suffira. Allez, bois. Racontez-moi votre enfance, c'est peut-être que je buvrai. Si bon. Je trouve ça chiant. Ça a commencé un soir d'automne, en 24 octobre 89, t'as capté, à Chicago. Ce soir-là, malheureusement, il y avait de la pluie et des orages. Il y a eu un éclair. Cet éclair, il s'appelait Joey. T'as capté ou pas? Disons qu'après, les années s'enchaînaient, les délits aussi. Clin d'œil. Pourquoi les délits? Et pourquoi pas, Amity, hein? On a tous une part sombre en nous, n'est-ce pas, Amity? Ouais, tous. Enchaîne, bois, je continue. Je bois un deuxième verre, mais ce sera le dernier. Continue. Quoi? Seulement? Continue, je bois pas le deuxième et dernier verre. Ouais, bah du coup, je te raconterai la suite la prochaine fois, alors. Ok, je bois pas, du coup. Quoi? Allez, bois! Disons que mon enfance était un petit peu bousculée. Je me baladais entre famille d'accueil à famille d'accueil. Et disons que l'accueil n'était pas là, et ni la famille, t'as capté? Toi, ton enfance alors, pourquoi t'es devenu proc? C'est passé quoi exactement? T'insinues que pour devenir proc, il faut forcément un drama dans une vie? Ouais, Spider-Man c'est l'araignée, Batman c'est la chauve-souris. Toi c'est quoi? La mort de ma petite sœur. Quoi? Oh, je suis désolé, je savais pas. Assassiné par un flic. Quoi? Mais dans ce cas-là, pourquoi t'es devenu proc? Faut devenir un bandit, niquer la police. Non, je suis devenu proc pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres flics ripoux dans ce genre de type dans les rangs de la police. Il y a combien de temps ça? Il y a environ 15 ans. Le mec il a été retrouvé ou pas? Bien sûr. Qu'il a arrêté. Un arabe? Même pas. Ok. Américain, divorcé, 3 enfants, il a tué ses 3 enfants. Ah ouais. Attends, mais c'est Jack l'Éventreur ou quoi? Puis j'ai un bus qui a fini dans un lac. Les 17 enfants dans ce bus se sont noyés. Quoi? Attends, tu me racontes Speed ou quoi avec Keanu Reeves? J'ai pas la référence. T'as pas la ref? Ah ouais, je me disais, je voyais un petit peu l'égarement dans ton regard. Mais du coup, ouais, t'es devenu proc et tu te sens mieux ou pas? Est-ce que t'as fait ça pour elle ou t'as fait ça pour toi? J'ai fait ça pour moi.
Ah ouais, donc tu t'en bats les couilles ta sœur en fait, c'est ça? Non, je m'en bats pas les couilles de ma sœur. Alors pourquoi t'as fait ça? J'ai fait ça dans un sens pour moi, pour moi-même, et faire fermer sa gueule à mon père aussi. Mais ça c'est encore une autre histoire. À qui? Racontez-moi la vôtre, racontez-moi la vôtre. Ah... Mon père. Ton père? Ah ouais, tu parles comme ça de ton père? T'es sérieuse? Ouais, non, c'est un vieux con. Ah mais ça... Quoi? Un vieux con? Il a laissé tomber. Oui. Quoi? Mais Amity! Ah mais c'est grave de parler comme ça de son père. Bon! Mais... Abuse! Non, t'es malade! Ça va pas la tête? Écoute, écoute, Amity, je vais te dire un truc. Dans la vie, on va perdre personne. Seulement de ses parents, ok? Ouais, mais c'est pour ton bien, Amity, ok? C'est pour mon bien? Ouais. Je vais vous faire arrêter de jouer. Ah ouais, vas-y, mets-moi les menottes. Trop, tu fais déborder le vase. Tu veux mettre les menottes? Ah ouais, t'es une coquine, hein? On est marre de vous de jouer. Allez, c'est parti! Ça part de là! Vas-y, je savais que t'étais une coquine comme ça en vrai! Joey! Viens, on va se poser au fond! T'inquiète, j'ai capté tes bails depuis longtemps! Oh, viens! Retirez-moi ça! Bah viens! Oui? Écoute, Amity, les menaces ça fonctionne pas avec moi, viens! Comment ça? Mais. Joey, enlevez-moi ça! Ouais, je suis pas ton daron! Ça, Joey. Me parle pas mal, ok? Quoi? Je suis pas ton daron, me parle pas mal, moi, ok? Ah ouais, vous êtes pas mon daron, putain! Ouais, je suis pas ton daron! Joey, viens! Allez, pour qui? Ouais! Allez, viens. Viens, je t'enlève les menottes. Mais, tu restes sage, hein, sinon ça la fessée. Non. Hop là, c'est pour ton bien, Amity. Tu me remercieras plus tard, t'as capté. Du coup, la suite de l'histoire. Ça va mal se passer si vous continuez comme ça. Tu veux la connaître ou pas? Continuez. Ok, donc du coup, famille en accueil, famille en accueil, et puis finalement, je me retrouve à la rue. Donc disons que je suis pas né dans la rue, mais c'est elle qui m'a éduqué. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu des personnes avec qui je me suis bien entendu. Et je peux les appeler frères ou cousins, parce que c'est des mecs qui étaient là, comme moi, j'étais tout en bas. En bas, là. T'as capté ou pas? Et donc, disons que, moi, la seule école que j'ai fait, c'est l'école de la rue, l'université du crime. Et voilà, aujourd'hui, on est là. Je pense ça si souvent. Ah ouais, qu'est-ce que je te dis? C'est la vérité. Ok, ok. C'est tout. Ah ouais, moi et les autres, on est dans le même moule. Tu vois, toi et moi, on vit dans un monde différent, tu vois. La vie a été clémente envers toi, pas envers ta sœur malheureusement. Mais moi, la vie, elle m'a froissé. Plus que je suis né, tu vois. C'est pour ça que je suis ridé. Ouais, je peux vous poser une question? Ouais, vas-y. Vous pouvez m'expliquer comment vous avez réussi à passer permis de conduire, permis bateau, permis d'hélicoptère et permis de port d'armes après la conduite que vous avez fait? T'as vu, t'es une coquine, hein? Je t'intéresse alors. Ouais. Du coup? Je t'ai dit, je suis un mec clean. Je suis reparti sur de bonnes bases depuis que je suis revenu. T'as capté? Je dois repartir sur de bonnes bases. Ok, on a tous droit à une deuxième chance, c'est vrai ou pas, Amity? Putain... D'accord. Quoi? La deuxième chance, continuez votre histoire. Bah ouais, je l'ai continué maintenant à toi, chacun son tour. Mais je vous raconte quoi de plus? Moi je vous ai tout raconté. Pas ta scolarité, tes traumatismes, tout ça, les relations avec ton père, vu que tu l'insultes. C'est passé quoi avec ton père? Non mais c'est pas que je l'insulte, lui-même le dit. Quoi? C'est un juge, quoi, genre je veux dire, genre vieux grincheux. Parle encore mal de lui, t'es sûr? Tu veux que je te regifle? Joey, calmez-vous. Bon, je suis calme. Quoi alors, ta scolarité? Eh non, tu sais quoi? Ton premier baiser. Quoi particulièrement ça t'intéresse? Ah, comme ça on apprend à se connaître, t'as capté? Que je fasse pas la même erreur que lui, ou elle, on sait pas maintenant. Première année de lycée. Quoi? Ah ouais, t'es une sacrée cata, hein? Non mais je rêve. Bon allez, je vais y aller. Ah, je rigole, viens, c'est bon. Eh, je suis taquin, t'as capté? Ouais. Vas-y, première année de lycée. Vas-y. Genre, tu te trémoussais comme ça et tout, tranquillement sur la piste, c'est ça? Tac, tac, c'est ça? Non, non, non. Ok. Je sortais du lycée et un type est venu vers moi et il dit qu'il m'aimait et m'a embrassé et il m'aimait pas donc. Attends, mais c'est un violeur dit, okay, ça! Ok, c'est très cool. Mais c'est un violeur! Non, non, non! Ah, il t'a violé la bouche à mon avis. Mais si, tu le connaissais le mec? Bien sûr! Ok, ça va alors. T'es un ami d'enfance. Quoi? C'était plus trop un ami d'enfance. Enfin bon. Ouais, c'est chaud! Il t'a mangé la bouche alors. L'histoire, c'est quoi? Je te raconte mon premier baiser. Non, je veux pas que vous me racontiez votre... Enfin, racontez-moi ce que vous voulez, mais on était sur votre enfance. Ouais, c'était un soir où t'es dans une boîte de nuit. T'as capté? Avec une femelle, enfin, une meuf, pardon. J'ai pas l'habitude. Je me rappelle, elle avait un bonnet marron, couleur caca. Oh, allez, c'est bon, je vais y aller. Hein. Quoi? Amity, viens, je te raconte mon histoire. T'abuses. Je suis pas sûr que ce soit votre histoire que vous me racontez, là. Pourquoi? Déjà, on est dans un bar avec une ambiance super glauque. Il a fallu avoir 10 accidents de voiture en venant. Et alors? En plus, mais j'ai fallu. T'as pas le risque? Avec vous, Joey.
T'aimes pas le risque? Tu veux me gifler? Vas-y, gifle-moi, j'aime bien. Oh non, non, je vais pas vous gifler. Allez, je vous gifle-moi. Pas les gens que. Voilà, oh, mais... gifle-moi, je t'ai dit. Amitié. Je suis procureur, j'ai l'image à toi. Amitié une fois. Amitié deux fois. Amitié. Je ne vous frapperai pas. Quoi? T'aimes pas la violence? C'est encore me dire agression, bavure, je portais plainte. Jamais de la vie, je porterai plainte contre toi. T'es folle ou quoi? C'est jamais. Oh, du coup, dis-moi, célibataire ou t'es déjà prise? Déjà prise. Quoi? 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 Non, c'est pas possible, non. Tu sais pourquoi c'est pas possible? Quoi? T'es une meuf célib, je sais. T'as pas de soutif, t'as pas de sous-vêtements. C'est bon, je t'ai grillé. Quoi? Pour ça que tu serres les bras. Pas qu'on voit tes tétons, c'est ça. Je t'excite en vrai, c'est ça. Je serre les bras parce que vous êtes... je suis énervé, monsieur Joey. Quoi? Ah ouais? Énervé? Bon, viens, on va se détendre. Vous rendez pas compte? Ah, tranquille, tiens, moi un sandwich. Ça va te faire du bien. Tiens, au pire, j'ai des petits bandages, j'ai une petite bouteille d'eau. Eh, tu sais quoi? J'ai même de la cocaïne, mets-toi bien. Eh, quoi? Eh, est-ce que vous avez vu ça? C'est Mimid, on l'a passé tout à l'heure, au casino. Ouais, ce chien, je voulais mettre dans la merde. Je vais passer un petit coup de fil à monsieur Mimid. Ouais, 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 c'est loué. Eh, vous voyez, dis-moi. C'est exactement ça la raison pour laquelle je devrais vous faire arrêter, monsieur Dieu. Ah, tu sais quoi? C'est toi qui me mets les menottes, je suis chaud, on y va maintenant. Non, non, c'est pas moi qui vous mettrai les menottes. Je vais me faire pardonner, ok? Vas-y, tiens, et on se met bien, toi et moi. Oui, quoi? Allez. C'est pas possible, je vais vraiment y aller parce que sinon je vais vraiment péter un câble avec vas-y. Vous. Je vous rends vos petites affaires, je vais faire vas-y. Comme si je n'avais rien vu, hein. Je okay. fais un geste. Vas-y, on fait comme ça. Vachement sympa. Ah, je t'en prie, t'inquiète. Et on oublie cette soirée, voilà. Vas-y, on se capte. Hein. Et bonne soirée. Ouais, bonne soirée. On sort d'ici d'ailleurs. Là. Ah ouais, c'est fermé, elle aura besoin de moi. Ah ouais, Joey est trop smart. Joey, comment on sort d'ici? Tu vois, tu poses les bonnes questions. Écoute, disons que y a peut-être moyen que tu sortes ou peut-être pas en fait. Ah bon? Ouais. Donc si je sors pas, on part sur quoi? Une prise de tâche de procureur? Agent d'état? De magistrat? T'es pas proc là, t'es juste une cliente de l'unicorne. Non, non, non. Et c'est... Bon, c'est quoi? Amitié madame la proc, à vos ordres, un petit bisou, je te fais sortir. Ouais. Et c'est du chantage, non. Ça s'appelle du troc, comme Moyen-Âge. Aussi punissable par la loi. Ouais, punis-moi, j'aime bien. Faites-moi sortir, on verra après. Non, c'est mort, je connais les femmes, avec leurs vices. Les vices? Ouais, vous êtes des vices. Vous allez me dire vices de procédure, allez, ça y est, c'est bon, ouais, c'est bon. Non, mais non, jamais de la vie. Ah. Quoi, t'es parano. Allez, regarde, j'ai mon bob, je te regarde même pas. Petit bisou, on n'en parle plus. Sortir et je vous ferai un bisou. C'est mort. Moi, je vais dormir ici avec Amity. Quoi? Toute la nuit, elle va rester mais ici. Appeler. Ouais, ouais. L'agent. Ouais. Vas-y, tu peux l'appeler. Je bats les couilles. Toi qui a plus d'agent en service, non mais c'est quoi cette blague? Oh, quel dommage. Oh, quel dommage. Allez, Amity. Fais un effort. C'est pour ta vie. Je vois rien. Oui. Ouais, c'est moi. Regardez-moi dans les yeux. Ouais, je te regarde. Sachez que vous êtes sincèrement. Le type le plus insupportable que j'ai jamais rencontré de ma vie. Normal, c'est Joey. Joey la gâchette. Quoi, Joey la gâchette? Pourquoi la gâchette? Ah, parce que je tire plus vite que mon ombre. Nicky Nick? Ouais, mais au lit, t'as capté, ouais. Clin d'œil. Mon dieu. Attendez, j'ai besoin de temps pour digérer cette belle. Vas-y, je t'en prie. Eh, bois une tequila encore, fais-toi plaisir. Non, c'est bon. Joey, je vous fais un bisou sur le front là, et je sors d'ici, ok? Oh, la joue. Un bisou sur le bob là. Sur le ah front. Non, la joue. La technique, après vous avez tourné la tête. Non, non, je te jure, non. Ah, je suis pas un violeur moi, ok? Il a rien à voir. Ouais, okay. C'est quoi dans le cou? On en parle plus. Non, c'est un peu bizarre quand même dans le cou, Joey. Non, je te jure, c'est bon. Le cou, ça me va. Ah, c'est mieux que la bouche, hein. Je fais un bisou sur le cou et vous me laissez sortir. Ouais, promis. Et voilà. Oh wow. Quoi? Tu veux sortir maintenant? Oh. Ouais. Ah, t'as les lèvres douces, hein. On dirait pas comme ça. Vas-y, viens. Parce qu'il y a trop de mots de vipère qui sortent de ma bouche, surtout quand je dois mettre des amendes à des gangsters. Ouais. Mais tu sais, moi, manger ton venin, ça me plaît, hein. Quoi? Ouais, vipère, venin, t'as capté. Ok, d'accord. T'as, t'es lente, hein, un peu, quand même, hein. Ouais, franchement, c'était cool, hein. Après, en vérité, Amity, ouais. Oh, je m'attendais pas à ce bisou, hein, tu m'as surpris. Est-ce que j'avais le choix pour sortir? Ben clairement, la porte donc, elle était ouverte de l'autre côté. Et ça, vous auriez pas pu me le dire avant. Joey, il est trop smart. Bon, déposez-vous. Pas un after ou quoi? Non, je vais déposer.
Vas-y, dépose-moi chez toi, c'est bon, je me démerde après. Ouais, tu roules vite, hein. Pressé. Ça va. Pressé, hein. Je roule pas plus vite que la plupart des gens de cette ville. Ah ouais, donc tu te compares aux autres, c'est ça être proc, hein. Après, c'est moi qui définis le code de la route, donc techniquement, je connais les limites. Ah ouais, le code de Mais la route. Vous connaissez-vous ? Ouais, je connais le code de la route, ouais. Par exemple, là, tu viens de griller un feu rouge, voilà. Félicitations, Dieu. Bah, du coup, je vais respecter le code de la route. Vas-y, limitation à 50, hein. C'est 80 en plus. Non, 50. La vérité, ça nous a rapprochés, hein, cette petite soirée, je trouve. Mais. Je. C'est quoi ? J'ai pas envie de te vendre du rêve, tu vois. Je suis pas un mec facile, t'as capté. Non mais Joey, j'espère sincèrement ne jamais vous revoir parce que si je vous revois à nouveau, ce sera pour vous arrêter, c'est clair ou pas? Ah ouais, t'es chaude, moi j'aime bien. C'est où encore que vous habitez là? Vous avez pas une adresse? Bah, chez toi. Tu me déposes devant chez toi, après je me démerde. Ouais, va chez toi, voilà. Eh hey, Joey, attendez. Je vais certainement pas vous dire où j'habite alors qu'on est en code rouge et en code orange dans le reste de l'été. Écoute, depuis que je t'ai vu, moi je suis en code rouge, ok. C'est combien d'ici? Ou alors du coup, justement, regarde, je peux te protéger, t'as capté. C'est quoi? Amitié, regarde ce qu'on fait, ok. Si tu veux bien dormir, c'est tes deux oreilles. Écoute, moi je peux monter à la gare, tu veux, chez toi, comme ça, y'a personne qui te touche, ok. Non, je veux certainement pas garde vous voir dans les parages près de chez moi, Joey, garde du corps. Et non, écoutez, Joey, j'aurais pu vous recruter en tant que garde du corps vu du fait que vous n'avez pas de casier judiciaire si je n'avais pas vu votre conduite. Malheureusement, je l'ai vu. Quel dommage. Ça va, t'as vu comment tu conduis, toi? Tu parles, t'es sérieuse? Bon, tu sais quoi, Amity? Je pense pas que ce soit pire que vous. Amity, laisse-moi une deuxième chance avec ta voiture, ok? C'est correct, non? C'est un bon compromis. Vous me demandez de fermer les yeux sur ce que j'ai vu tout à l'heure. Ouais, s'il te plaît. Ah non? Ouais, on va dire celle-là, ouais. Voilà, nickel. Et bonne soirée, Joey. Hé, Amity, s'il te plaît, fais-moi une promesse. Je vais voir ce que je peux faire. Ne tombe jamais amoureuse de moi, ok? Allez, bonne nuit. Ça risque pas, allez, bonne soirée. Allez, bébé. Ouais, allô? Ouais, Mimid? Ouais, Chouchou. J'ai baisé la justice ce soir. Voilà! Voilà! Toutes les positions. Elle est fraîche ou pas? Elle est plus que fraîche, c'est un congélateur. Ouais, c'est un garçon sur pattes. Laisse tomber. On l'a fait 3 fois, 4 rounds, la coquine. C'est un combat de boxe. C'est qui était KO? C'est qui était KO? C'est elle, évidemment. Voilà, ding, 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 ding. À un moment donné, elle m'a dit, mais attends, Joey, vous êtes combien? Vous êtes plusieurs ou quoi? Je dis non. Cette fois, je suis tout seul. Ah, Zahma, t'as travaillé le cardio, tout ça. Oh, laisse tomber. Tu as montré c'était qui le patron, quoi, Joey. Je fais du sale, à mon avis, demain, elle braque une banque, c'est sûr, je lui ai retourné le cerveau. Écoute-moi bien, le problème, disons c'est que de base, dans le vocabulaire des bandits, je lui ai pété son coffre, t'as capté ou pas? Voilà. Mais comment sa serrure, elle a sauté. Mais c'était moi qui devais... Écoute-moi bien, toi, en fait. Quoi? C'était moi, normalement, que j'avais un date. Bah, disons que, t'as vu, moi, je fais l'éclaireur. L'ouvreuse, la voiture ouvreuse, celle qui... Ah, ok, c'est bon. Tout est clean. Franchement, c'est clean de fou. Elle sent bon. Il y a de l'espace de fou. Ok. Ouais. Intéressant. Et en plus, elle fait ça sauvage, hein. Ah ouais. Elle m'a fait des bisous dans le cou. Elle t'a griffé. Ah, mais je l'ai giflé. Voilà. Ouais, elle m'a dit... Attends, c'était quoi son délire? Ah oui, c'était avec son père. Elle m'a dit, ouais... En gros, je me suis fait passer pour son père parce qu'elle avait des problèmes avec son père. Je dis, ah ouais, c'est qui maintenant ton papa? C'est qui? Allez! Non, je t'assure, vraiment... je t'assure. Oh, elle est bizarre quand même. Le daron. quand même, le daron, wesh. Ouais, elle abuse la brogue, wesh. C'est chaud, c'est grave chaud. Ah, trop. Oh, ouais. Mec, elle me dégoûte maintenant. Ouais, oh. Moi aussi, ouais. Mais bon, au moins, tu peux clairement dire t'as baisé la justice. Ouais, de fou. Tu fais quoi là? Là, je suis... Ouais, je fais pas grand-chose, hein. Ah ouais? Ouais, je fais pas grand-chose. Vas-y. Moi, je vais aller dormir au calme, hein. Vas-y, bah une bonne nuit, Joey. On se capte demain. Toi aussi, bébé. Arrête de m'appeler bébé, Joey.